Allez les enfants, on va dire au revoir à papa. Allez. Les enfants, je compte sur vous pendant le voyage. Hein. Vous êtes sages avec votre mère. Attention, attention. À Thomas. Attendez. Descendez pas les trains. Hein. Attention, pas trop vous salir. Restez là. Bon voyage. Oui papa, je vais dire au revoir. T'inquiète pas, ma chérie, va pas tarder. Qu'est-ce qu'il faut? Je comprends pas, il va rappeler. En voiture! Allez, en voiture, les enfants, là, allez, allez! En voiture, messieurs, dames! Allez, t'as une semaine, t'as bien. À bientôt! Au revoir, les enfants! À une semaine. Je vous préviens, moi ce soir je ne me couche pas, je veux voir le soleil se lever. Des femmes. Je veux des femmes. Mais où sont les femmes? Où allez-vous? Bonjour. À Saint-Tropez, pourquoi? À Saint-Tropez, mais vous êtes folle, restez avec nous. C'est à Paris qu'on s'amuse au mois d'août. Mais ça va pas, non? Vraiment? Alors. Tant pis alors. Il y a un endroit extraordinaire pour draguer à Paris. C'est la piscine Deligny. Ah, moi, il y a 2 ans, j'y déjeunais tous les jours. Le nombre de nanas que j'ai pu m'élever. Messieurs, mon gars. Oh, oui. Ah, elle me rappelle l'italienne que j'ai eue il y a 3 ans, Raffaella. Hein? Tu te souviens? Enfin, vaguement, quoi. Ah oui, vaguement, là, oui, très vaguement. Là. Pourquoi, elle était belle, Raffaella? Elle était pas mal, hein. pas mal. Attends, t'as déjà eu beaucoup de filles pas mal comme ça, toi? Bah, tu sais bien que moi, j'ai droit à des boudins. Hein. Oh, les mecs, hein, vous êtes pas marrants, hein, franchement. C'est lui. Terrible, hein? C'est trop tôt, faut attendre un peu, je vous dis. Regarde la fille là-bas, elle est pas mal. C'est Monica Belli? Tu crois? Mais oui. Il y avait sa photo en couverture de Paris Match. Dis donc, elle t'a regardé. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Tiens, elle te regarde encore. Merde, mais il a un ticket, ce salaud. Bon, arrêtez de la mater comme ça, c'est ridicule. Tiens, elle te regarde encore, là. Je vois bien qu'elle me regarde. Elle fait quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Regarde-la aussi, je sais pas, moi. J'arrête pas de la regarder. Elle sourit, lui. Bon, foutez-moi la paix, merde, hein. Je vais laisser passer un coup pareil, hein. Écoutez, moi, je sors plus avec vous. Tu n'as qu'à aller l'inviter à danser. Mais bien sûr, je vais aller l'inviter à danser. Moi, je te parie qu'il n'en est pas capable. Bon, ben, j'y vais. Quand même. Ah, Michel, ta braguette. Alors là, vous êtes vraiment con, hein. Vous dansez? Oui, avec plaisir. Vous permettez? Oui. Vous dansez vraiment très bien. Vous trouvez? Vous savez ce qu'on dit? Non? En regardant quelqu'un danser, on imagine très bien comment elle fait l'amour. Ah bon? Bon ben. Merci. Je peux vous demander un service? Oui, bah absolument, tout ce que vous voulez. Vous pourriez me raccompagner chez moi, je suis fatiguée. Oui, mais... et vos amis? Oh, ils sont fous, si je compte sur eux, c'est un coup de 6 heures du matin. Ça vous ennuie pas trop? Non, pas du tout.
Pour qu'on se fasse pas trop remarquer, vous pourriez partir d'abord. J'aurai 5 minutes avec eux et puis je vous rejoins, d'accord? Oui, mais où? À l'angle de l'avenue. À tout de suite. Alors, mais quoi alors? La raconte, comment ça s'est passé? C'est dans la poche, les mecs. Allez. Ouais, la classe, mon vieux, la classe. Ça vous dérange pas si on prend ma voiture? Non, pas du tout. Vous avez des mains superbes. C'est la première chose que je remarque chez un homme. On peut tout savoir d'un homme en regardant ses mains. Et elles vous disent beaucoup de choses? Suffisamment. Merde, je suis confus. Oh, ça fait rien, je déteste ce tableau. Embrasse-moi. Ça vous a pas plu? Oui, c'était très bien. Je suis sûre que vous êtes très content à l'idée d'avoir une aventure avec Monica Belli. Vous imaginez déjà comment vous allez raconter tout ça à vos amis. Si vous pensez ça de moi, je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Oh non! Non, ne partez pas. Je vous en prie, ne partez pas. Pardonnez-moi. Embrasse-moi fort. Bien. On va faire l'amour toute la nuit. Ça sert à merveille. Embrasse-moi. Aïe, vous me faites mal. T'y voglio, amore mio, t'y voglio. Déshabille-toi. Enlève tout. Qu'est-ce que tu es beau. Déshabille-toi, je reviens tout de suite. Thank you.
Bonjour. Monica n'est pas là? Non, enfin oui. Comte de Forcheville. Michel Lambert. Eh bien, je vois que vous avez déjà fait connaissance. Oui, oui. Mon mari. Comment s'est passée ta soirée, ma chérie? Oh, c'était très amusant. Et toi? Mais moi, c'était mortel, pour ne pas changer. Tu veux pas boire un verre de champagne avec nous, pour te changer les idées? Ah, non, non, merci, ma chérie. Je vais me coucher. Je vous laisse. Bonne nuit. Bonne nuit. C'était pas gênant que je sois là. Aucune importance. Cretino! Ma che fai? Chiuso la porta? Apri! Apri! Ti ho detto apri! Figlio di puttana cornuto, apri! Maledetto, apri! Ma qu'est-ce que vous faites? Je me rhabille. Je crois que c'est ce que j'ai de mieux à faire. Pas question. Venez. Venez avec moi. Venez. Rentrez. Ascoltami, cornuto. Adesso farò l'amore con lui e sarà colpa tua, hai capito? Mais écoutez, c'est que je... Tu ne crois pas que cette comédie a assez duré? Tu sais très bien que tu ne vas pas le faire. Ne l'écoute pas. Fais-moi l'amour. Fais-moi l'amour sauvagement. Fais-moi crier. Qu'il entend mes cris. Sois violent. Sois brutal. Frappe-moi. Fais-moi crier. Prends-moi comme une pute. Sois vicieux, sois bestial. Je ferai tout ce que tu voudras. Tout, tout. Tu sais très bien que tu n'en as même pas envie, que je ne céderai pas à ce genre de chantage. Chiudi il becco. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça tombe bien parce que moi non plus je peux pas. Je le déteste, je le déteste. Il veut me rendre folle. Où allez-vous? Franchement, je crois que votre mari a raison. Alors, c'est lui qui tout écoute? Il n'a qu'à siffler, tout obéit comme un petit chien. Là, ça devient grotesque. Mais qu'est-ce que vous faites avec cette clé? Alors, vous êtes enfermé. Bon, restez calme, ça va très bien se passer. Vous croyez? Mais oui, de toutes les façons, il vaut mieux que je n'intervienne pas. Va te coucher, tu vas me faire l'amour. Je vous en prie, Monica, cessons cette... Tu me repousses, espèce de petite merde, minable, dragueur de supermarché? N'en pense pas un mot. J'ai tous les hommes que je veux. Les playboys les plus célèbres, c'était à mes pieds. Redford, Rossellini, Mick Jagger. Ils mangeaient dans ma main comme des petits chiens, et toi, espèce de... En réalité, c'est une femme qui manque totalement de confiance en elle. Bon, écoutez, lâchez-moi, je veux rentrer chez moi, vous êtes complètement cinglé. Elle vous a frappé? Mais. Oui, elle m'a frappé. Aïe, aïe, aïe. Un salaud! Vitez-la! Un salaud! Mais si vous croyez que c'est facile. Tu m'as frappé? Tu as osé me frapper? Elle s'est calmée. Pas vraiment. Vous n'avez pas frappé assez fort. Bon, ça suffit maintenant, hein? On va se calmer maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Eh, hey, oh, vous avez pas une solution pour me sortir de là? Je suis désolé. Pour rien. C'est moi. J'ai honte. Je n'étais pas comme ça. Cet homme m'a détruite et me rend folle. Je ne peux plus. Allez, c'est fini. C'est fini. C'est un être pervers, sadique. Un monstre. Et pourtant, il est très calme. Mais justement, en 10 ans de mariage, je ne l'ai jamais entendu élever la voix. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on peut supporter ça? Vous êtes marié? Oui. C'est un homme comme vous qu'il me fallait. Parlez-moi de vous. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je travaille dans une société d'informatique.
Et après votre travail, vous rentrez chez vous et vous mettez des pantoufles? Des baskets. Et après? Après, je joue un peu avec les enfants et on dîne, on les met au lit. Oh, c'est merveilleux. C'est la vie que j'ai toujours rêvée. Alors, deux fois par semaine, on sort avec des amis. On va au cinéma ou au restaurant, sinon... Vous regardez la télévision? Oui. Qu'est-ce qu'on est bien? Oui. Tu sais, il avait raison. Je n'avais aucune envie de faire l'amour avec toi. Je m'en serais douté. Tu m'en veux pas, hein? Non. Il y avait longtemps que je n'avais pas passé une soirée aussi agréable. Et là, c'est allé à la comptabilité. Ah tiens, Michel. Ça va? Ah, dis donc, t'as la tronche de quelqu'un qui a eu une nuit agitée, toi. Plutôt, ouais. C'était comment? Inoubliable, mon vieux. Je te raconterai. Vénère, là. Bon, alors on fait comment maintenant? On fait comment? Allô, chérie? Oui, c'est moi. Comment ça va? Tout va bien, et toi? Ben moi, ça va, beaucoup de travail. Tu viens quand même samedi? Non, finalement, j'ai pu m'arranger. Je pars demain matin, je serai avec vous demain soir. Formidable, Sophie va être ravie. J'étais sûre que tu viendrais plus tôt. Je te connais, tu sais. Je t'aime. Moi aussi, je t'embrasse. Au nom du peuple bougandais et en tant que grand leader de la révolution, je remercie votre excellence pour sa visite. Visite qui est un moment historique dans la lutte du peuple bougandais pour sa liberté. A timinia naroda bugandi i vajdja revolucji. Ya blagadaru vashe visoshestro. A timini sovetskogo naroda я приветствую великого африканского вождя. Я плохо понял. Вы на каком языке говорите? По-русски. Нельзя мне найти другого переводчика. Я вас очень плохо понимаю. Si je suis de trop, dites-le-moi. Excusez-moi, mon général. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, son excellence dit qu'il apporte l'hommage du peuple soviétique au père de la révolution bougandaise et au plus grand leader progressiste que l'Afrique ait jamais produit. Et il demande si vous pourriez pas trouver un autre interprète, parce qu'il a du mal à comprendre mon russe. Dites-lui que je suis désolé, que vous m'avez déclaré que vous parlez russe couramment. Président говорит, что я врун. Извините. Советский народ готов помочь народу Бурунди. Son Excellence dit que le peuple soviétique est prêt à apporter son aide fraternelle au peuple bougandais dans son combat pour construire une société plus juste. Mm-hmm.
Dites-lui que nous avons grand besoin de l'aide des intéressés du peuple soviétique. Нам ваше, ваше помощь нет нужна. Что? Они смеются над нами. В этом случае мы прекращаем наши переговоры. Это просто безобразие. Все это было. Я думал, что эта страна была в наших руках. Но как это произошло? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, mon général. C'est certainement malentendu. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Mais qu'est-ce que vous lui avez dit? Это дурак все перепутал. Извините, Вице-Шестер. Son Excellence rit parce qu'il a compris que j'ai fait une erreur de traduction. Ce que j'ai dit signifiait que nous n'avions pas besoin de l'aide intéressée de l'Union soviétique. Oui, did not need the interest. Dites-lui que je lui présente toutes mes excuses. Dites-lui aussi que vous êtes un de ces pseudo-intellectuels de l'ancienne bourgeoisie que nous utilisons faute de mieux. Президент просит прощения, но другого переводчика не нашли. На здоровье. Существует ли в Буганде ГУЛАГ? Son Excellence se demande s'il existe au Buganda des camps de rééducation par le travail. Bien sûr. Nous possédons des camps de rééducation par le travail pour les individus manquant de maturité politique. У нас, конечно... Конечно. Конечно, существует политический лагерь. Мы приветствуем развитие этого типа лагерей во всей Африке. Il dit que c'est tous les Africains qui devraient passer par ces camps de rééducation par le travail. Je trouve ces insinuations extrêmement blessantes pour les masses progressistes africaines. Президент находит ваше намекание оскорбительное. Опять плохо перевели. Извините. Excusez-moi, mon général, j'ai encore fait un léger contresens. Il voulait vous dire que le développement de ces camps lui semble souhaitable dans tous les pays africains. Excusez-moi. Это просто саботаж. Я думаю, что он агент CIA. Il dit que je cherche peut-être sciemment à saboter cette réunion. Et il se demande même si je ne suis pas un agent de la CIA. C'est ridicule, mon général. Как казнят у вас предателей? Son Excellence demande comment exécutez-vous les traîtres au Buganda? Dites-lui que ça dépend. Parfois on les pend, parfois on les fusille. Mais les exécutions sont très rares au Buganda. Иногда вешают или расстреливают на долбанных рядках. Parce que les traîtres survivent très rarement aux interrogatoires. Предатели редко выживают после допроса. Это как у нас, как говорит. Мой генерал, vous allez rire. Avec les interrogatoires du KGB, c'est la même chose. Cher ami, je peux emprunter ce roman? Oh, je suis tout à fait désolée, Charles. Mais mon mari trouve qu'un livre, c'est vraiment trop personnel.
Je te supplie de croire que je ne cherche pas à entamer une polémique, mais je voudrais simplement te faire remarquer que tu as encore oublié de fermer le tube de Beaujolais Village. Ça veut dire quoi, au juste, je ne cherche pas à entamer une polémique? Tu sais très bien ce que ça veut dire. Oui. Si je le sais, pourquoi est-ce que je te le demande? Parce que je suis de mauvaise foi, c'est ça? Ça y est, il aurait commencé à s'engueuler. Oh mon Dieu! C'est grave? Yes, indeed. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis capable, moi, de chercher à faire des histoires avec un truc aussi con qu'un tube de Beaujolais Village, c'est ça? Eh bien, c'est exactement ce que tu es en train de faire, des histoires pour une connerie. Oui, alors ce qui me tue, mais ce qui me tue chez toi, c'est ton hypocrisie, tu vois? Moi, je suis... On a vérifié tous les circuits, apparemment tout va bien. Ou alors ce sont les électrodes. Ce ne peut pas être les électrodes, je m'en porte garant. Alors c'est d'ordre psychologique. Impossible, je suis formelle. Si les ondes parviennent aux électrodes, elles annihilent toute pulsion agressive. C'est enfantin. Non, non, ce qui est le plus inquiétant, ce sont les courbes orgasmiques d'Hélène. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mike, montre-nous s'il te plaît. Ce sont les images de leur dernière étreinte filmée il y a environ 48 heures. Ça a l'air de très bien se passer. Pas du tout, justement. Regarde. C'est la courbe orgasmique d'Hélène transmise par des électrodes placées au niveau de son bassin. Comme vous pouvez le voir, la courbe est désespérément plate. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'Hélène joue la comédie. En tout cas, c'est une excellente comédienne. Non, mais ça, c'est pas le problème. Non, le problème, c'est qu'Hélène, de toute évidence, depuis un certain temps, n'arrive plus à atteindre l'orgasme avec Jean. C'est vrai? Cela peut avoir des conséquences dramatiques. Ça va mal ici. Il faut que tu interviennes, Martha. Vas-y, vas-y. J'attends. Il faut réveiller le président. J'en prends la responsabilité. Président, nous avons des problèmes. Alors, Eric, lorsque vous vous serez présenté à la présidence de l'Europe, vous verrez que ce projet sur Mars n'est pas un véritable problème en comparaison. Jean et Hélène ont été sélectionnés parmi des milliers de couples. Ils ont été testés, étudiés et entraînés pendant 6 ans. Il est impossible de trouver un couple plus équilibré, plus uni et plus amoureux. Croyez-moi, le couple restera longtemps un mystère pour la science. Ellie, cette stupide querelle peut vraiment compromettre leur mission? Le début des manœuvres pour pénétrer dans l'atmosphère martienne est prévu dans 6 heures. Ce sera le moment le plus délicat. La moindre erreur de Jean peut être fatale. Il aura besoin de tout son calme et de tout son sang-froid. Mais peut-on supprimer ce délai et leur faire immédiatement commencer les manœuvres? C'est possible, mais... Bon, alors allons-y, dans l'état où est Jean, plus nous attendons, plus ce sera dangereux. C'est une décision terrible, Président. J'en prends la responsabilité. Mais d'abord, je veux leur parler. Le Président des États-Unis d'Europe vous parle. Mes enfants, j'ai décidé d'avancer l'heure de votre atterrissage sur Mars. Les préparatifs préliminaires vont commencer. J'ai tenu à vous l'annoncer moi-même. Hélène, Jean, dans ce moment historique, je serai de tout cœur avec vous. Mais maintenant, mes enfants, embrassez-vous. Non, mieux que ça. La nouvelle vient de tomber. Les manœuvres d'atterrissage du vaisseau spatial européen sont avancées de 6 heures. Ah,
mais on m'annonce les premières images en direct du cosmos. Ah, c'est extraordinaire! Ah, c'est formidable! C'est merveilleux! Écoutez, les mots me manquent pour décrire l'émotion. 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 70, Jean. 77, 76, Jean, je n'aurais pas dû te parler de ce tube de Beaujolais Village. Excuse-moi. Bon, je t'ai déjà répété 20 fois que j'en ai rien à foutre, ce tube de Beaujolais Village. T'es bouché ou quoi? Bah écoute, sois poli. Je m'excuse, j'ai la gentillesse de m'excuser, voilà ce que tu m'as... Mais espèce de conne, je demande pas de t'excuser, je te demande simplement de cesser de me parler comme un gosse débile. Bon, eh bien, tu as qu'à te conduire comme un homme. Ça veut dire quoi, ça? Comprends ce que tu voudras. Tu profites de ce qu'on est en public pour essayer de m'humilier, c'est ça, hein? Je suis pas un homme, hein, je suis pas un homme. Eh ben, j'espère que t'as emporté un bon vibromasseur, hein, parce que jusqu'à la fin du voyage... Tintin! Oui, Tintin. Tintin, ah, voulez-vous arrêter? Voulez-vous bien arrêter? Oh, ça me fait une belle jambe, tiens. Ça t'a pas toujours dit ça, hein. Tiens, pas plus tard qu'avant-hier. Comme une chienne. Mon pauvre chéri, si tu savais... Non, non, elle, elle, non. Mais je joue la comédie. Ça fait bien longtemps que tes exploits ne me font plus ni chaud ni froid, va. Arrêtez tout. Trop tard. 15, 14, 13, faire ça à moi. Devant des milliards de téléspectateurs. Branchez-moi. Non, chérie, je... 7, 6, Jean, 5, reprenez-vous. Vous voulez vous faire foutre, hein? 2, 1, 0. Le vaisseau Galaxy a ricoché sur l'atmosphère martienne. C'est une épouvantable catastrophe. D'après les informations dont nous disposons, le vaisseau Galaxy ne pourra être... Oh, je m'excuse encore. Ne pourra être récupéré que dans une trentaine d'années. Oh, c'est affreux. Quelle horrible agonie. Ah non, ils ne mourront pas. Ils ont de quoi vivre dans leur habitacle pendant plus de 30 ans. C'est encore pire. Les malheureux condamnés à vivre 30 ans seuls, en tête à tête. On a récupéré l'image. C'est ta faute, pauvre con ! T'avais qu'à pas pousser à bout, espèce de salope ! Pauvre type ! Dès qu'on sera revenu sur Terre, je demande le divorce ! Connard ! Youssef, des crues, pas des grillés, hein. Excusez-moi, madame, je suis journaliste au Matin de Paris et je fais un reportage sur le 20e arrondissement, alors j'aimerais bien vous poser quelques questions. Ah bah ça, vous tombez bien, parce que le quartier, je le connais, j'y suis née, alors. Et mon père aussi. Et avec ça, madame Dupuis? Merci. Tu me donnes un demi-litre d'huile de palme. Très bien. Dites-moi, c'est un caftan que vous portez, là, hein? Ça? Je sais pas, non, c'est les robes qu'on trouve dans les boutiques du quartier, pourquoi? Tenez. Merci. Tu me dis combien je te dois? 46 francs 80. Merci. Et ça, c'est un tchador? Un tchador? Oh, le fichu, là! Toutes les femmes portent ça dans le quartier. Oh non, c'est pratique. Ça évite d'aller trop souvent au coiffeur. Tenez, madame. Merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Tafaddal alayna marhaba. Le mercredi, c'est le jour de mon poulet pili pili. C'est une petite sauce à l'huile de palme avec des arachides pilés, du lait de coco, du gingembre, enfin. Où c'est qu'il est passé encore? Mohamed! Ah, il tient pas en place ce gars. Mohamed! Ah, Ramena! Fissa! Fissa! Vous parlez l'arabe? Qui, moi? Ah, vous voulez dire ce que je crie aux gosses, là? Oh non, c'est de l'argot d'ici. C'est de l'arabe? Ben oui. Je savais pas. Mohamed Ijemena, Fissa! Fissa! Allez, avance! Votre fils s'appelle Mohamed? Non, il s'appelle Jean-Michel. C'est lui qui veut qu'on l'appelle Mohamed. Bonjour. Il dit que Jean-Michel, c'est ridicule. Qu'avec un nom pareil. Bonjour, madame. Qu'avec un nom pareil, tous ses copains se foutent de lui à l'école, tout ça. Remarquez, Jean-Michel, ça sonne bizarre, vous trouvez pas? Et puis Mohamed, c'est pas plus mal, hein, vu que mon mari s'est converti à l'islam. Ah bon? Votre mari s'est converti à l'islam? Ben oui. Il est chef d'équipe chez Talvo. Il lui arrivait que des histoires.
Une fois, c'était un boulon qui lui tombait sur la tête. Une autre fois, on le poussait dans l'escalier. Bref, des trucs comme ça. Un jour, il me dit, Poupoune, faut s'adapter, je me fais musulman. Et ben moi, je trouve qu'il a eu raison. Et maintenant, avec ses ouvriers, ça va? Oh ben maintenant, il a plus de problème. Il y a du racisme dans le quartier? Oh là là, oui, ça, m'en parlez pas. Tenez, prenez notre immeuble, par exemple. Hein. Bon, en dehors de nous, c'est surtout habité par des Ivoiriens, des gens très gentils. Mais ils sont tous baoulés, sauf une famille qui est bêtée. Et alors, faut vous dire que les baoulés et les bêtés, c'est très différent. Hein. C'est un peu comme les Kabyles et les Arabes, vous voyez. Eh ben, faut voir comment les baoulés traitent les bêtés. Ah oui, il y a du racisme, ça, il y a du racisme dans le quartier. Et vous, vous n'avez aucun problème. Vous voulez dire nous, les Français? Oui. Oh non, nous, on est à l'accepter. Vous sentez, quoi? Mais comment j'en viens de faire des courses? J'en viens de faire tout ça avec qui? Mais toute seule. Toute seule. Bonjour, madame Dupuy. Toute seule depuis le temps que j'ai parti. Mais je viens juste de partir. Vous sentez, le quartier doit vous sembler bien changé tout de même depuis votre enfance, non? Oh non, je trouve pas. Salam alek. Alaykoum salam. Ça un peu tout de même. Mais Paris sera toujours Paris. Allez. Ben, c'est là que j'habite. Et c'est quoi ces dessins? Ça? Bah ben, ça veut dire que mon mari est Hadj. Entrez. Hadj? Ben oui, Hadj. Vous savez pas ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a fait son pèlerinage à la Mecque. Ah bon? Ben oui. Il a profité d'un voyage organisé par le comité d'entreprise. Je vous prends un peu de sel, Mme Dupuy. Allez-y, Madame Sissala. Ah, ben, je vous prends aussi un peu de parler, hein. Faites donc. Au revoir, Mme Dupuy. Au revoir, Madame Sissala. Bon, ben, vous allez bien prendre quelque chose. Mais si, allez, venez. J'ai un petit vin de panne, vous m'en direz des nouvelles. C'est mon mari. Tenez. Je vous le présenterai dès qu'il aura fini sa prière. Il a l'air vraiment très pratiquant. Oh oui. Il s'est converti pour s'adapter et petit à petit, il est devenu très croyant. Remarquez, il a toujours eu l'esprit très religieux. Hein. Il a été très longtemps à la CGT, vous savez. Oh, Yvette et Roland. Oh non, ça c'est gentil d'être venu. Oh. Ça va? Justement, il y a un monsieur du Parisien qui est là. Du matin. Oui, mais c'est pareil. Je vous présente Yvette, ma sœur, et mon beau-frère Roland. Ils habitent à Porte d'Italie. Bien, on est prêt, attention. Bien, moteur. Ça tourne. Annonce. Tu vas, le pape. La France profonde, 17, première. Vas-y, Pascal. On parle beaucoup de la liberté sexuelle. Mais on pense surtout aux jeunes. Pour des gens de votre génération, ça veut dire quoi, la libération sexuelle? Eh bien, vous savez, pour les jeunes, c'est facile, hein, parce qu'on leur mange la besogne. Ils n'ont qu'à se baisser. Parce que quand on s'est connus, hein, ça, c'était autre chose, je vous le dis, Roland et moi. Hein. Nous, notre harmonie sexuelle, on l'a méritée à force de travail et de sacrifice. Parce que nous, on se fait tout seul, notre éducation sexuelle, à la force du poignet. Hein, parce que la sexologie, tout ça, ça n'existait pas. Mais on s'est jamais laissé abattre. On a lutté, quoi. Oui. Roland, le cuni, comment la le... La fellation. Voilà, je confonds toujours. La fellation, Roland, ça lui donnait des nausées, hein. Mais rien n'a arrêté. J'y arriverai, qu'elle disait. J'y arriverai. Mm-hmm. Parce que... Une lutteuse, hein, Roland. On avait des moments de découragement, vous voyez. Mais notre amour nous a donné la force de nous en sortir. Oui, alors finalement, on est allé voir un toubib. Et ben, Roland était frigide et moi, j'étais éjaculateur précoce. À ce qui paraît. Faut le faire, non? Le médecin, il m'a ordonné la psychanalyse. 150 francs la séance. Et ils n'étaient pas remboursés par la sécu. Alors, vous savez, là, j'ai dit banco, j'ai dit cocotte. Je vais dans les voitures, je fais des heures sup.
Hein? On se serre à la ceinture, mais ton orgasme, tu l'auras. On a été bien récompensés parce que finalement, écoute, c'était juste après notre, hein, notre 13e anniversaire de mariage. C'est ça, cocotte. Et voilà, Rolande, elle a eu son orgasme. Mais alors, chouette, hein? Un orgasme, hein? Chouette. Hein, c'est pas vrai, cocotte? Oui. Oh, je me souviens, on avait fait une petite fête. Tu te rappelles? Ah, ben... J'avais acheté une belle tranche de foie de veau pour Marcel. Il adore ça. On a ouvert le mousseux, puis tout, quoi. Parce que, vous savez, les jeunes, ils veulent tout de suite. Alors, ça, moi, ça me fait marrer. Nous, on a attendu 6 ans notre première voiture, 13 ans le premier orgasme à Roland, et la télévision couleur, on aura l'an prochain, si tout va bien. Merci. Coupé. Et que l'inflation est jugulée. Non merci, je vais prendre le bus. J'ai une course à faire avant de prendre mon train. Comme tu voudras, mardi. Bon week-end. J'ai juste le temps de passer chez moi prendre mon sac. Tu sais, ça y est, c'est décidé, je vais rompre avec Béatrice. Je vais lui parler pendant le week-end. Ça fait tellement longtemps que tu dis ça. Je peux plus supporter cette vie coupée en deux. 3 jours à Rouen, 4 jours à Paris. Je vais parler à Béatrice. C'est vrai, c'est bien vrai. Je vais m'installer ici. Je peux très bien finir de préparer ma thèse à Rouen. J'aurai un appartement plus grand et on se verra tout le temps. Ça fait 3 mois qu'on n'a pas passé une nuit ensemble. Je t'aime. Ensuite, tu pourras parler à ton mari, tu divorceras, et nous n'aurons plus jamais besoin de nous cacher. Jamais, jamais plus. Non, tu sais que tu vas louper ton train, toi. Oh. Allez. Ça va ? Ah, ce que j'en ai marre de ces allers-retours Paris-Rouen. Oui, bah ça, c'est les joies de l'éducation nationale, mon vieux. Elle a dû te coûter une fortune. La moitié de mes économies. Merde, c'est un beau cadeau de rupture. C'est con, tu vois, mais je sais pas, c'est une façon de lui montrer que c'est important pour moi ce qui s'est passé entre nous. Tu te sens coupable, quoi. Tu peux pas savoir, c'est affreux. 4 ans qu'on vit ensemble, tu te rends compte? Ah ouais, ouais, ça fait une traite. De toute façon, même avec Cécile, ça pouvait pas durer, il fallait que je prenne une décision. Ou je fais ma vie avec Béatrice, ou on se sépare, quoi. Et elle se doute de quelque chose, ou... Ben non, justement. Et on dit que les femmes ont un 6e sens. Oh, le ciel va lui tomber sur la tête. Elle a une confiance aveugle en moi. Justement, c'est ça qui me tue, c'est cette confiance. Et puis, je supporte pas de faire de la peine à une femme qui m'aime. Et t'es vraiment décidé? Ouais, ouais, je lui parle ce soir. Je vais l'emmener dîner dehors. À la maison, j'aurai pas le courage. J'ai retenu une table dans un petit restaurant où on va souvent. Oh, bah, que je suis bête, tu connais? Hein, chez Alex? Ouais, ouais, c'est ça, chez Alex. Béa? Je suis dans la salle de bain. Béatrice. Chérie, ce soir nous sortons. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une surprise. Je t'invite à dîner. J'ai retenu une table chez Alex. Voilà la table des amoureux. Merci. Tu sais pas pourquoi je riais quand tu m'as téléphoné pour réserver cette table pour ce soir? Ben non. Non, parce que Béatrice venait juste de me téléphoner pour me demander la même chose. Tu y as pensé, tu t'es souvenu de notre anniversaire. Pipo, tu es formidable. Oh, il est fantastique. 2 champagnes framboises pour les amoureux. 4 ans déjà. Ça fait 4 ans ce soir que nous sommes sortis ensemble pour la première fois. C'est fou, non? Ben oui. Il me semble que c'était hier, on était à cette même table. Oh, le cinéma que tu m'as fait, tu te souviens? Oui, je suis sûre que tu croyais que ça allait être une petite aventure sans lendemain comme ça. Ah, mais moi je savais que ça serait du sérieux tous les deux. C'est vrai au fond, on a un 6e sens pour ça, nous les femmes. Tu crois? Bien sûr. Faut dire que c'est pas difficile de lire dans votre jeu, hein.
Oh, tu sais ce qu'on va faire maintenant? Tu vas m'inviter à boire un verre au Rubis, comme la première fois, d'accord? D'accord. Je t'aime. Qu'il a repassé exprès pour nous. Je suis heureuse, tu sais. Enfin, tu sais quelle est la seule différence entre cette soirée et celle d'il y a 4 ans? Je donne ma langue au chat. Eh bien, c'est qu'au lit, c'est encore mieux que la première fois. Béa, il faut que je te dise quelque chose. Oh, écoute, c'est drôle, moi aussi. C'est important, toi? Ouais, plutôt. Oui, moi aussi. C'est quoi, ça, c'est pour moi? Ouais. Tiens, regarde, j'ai aussi un cadeau pour toi. Quand je pense que j'étais sûre que tu allais oublier notre anniversaire. Oh, mais tu as fait une folie, mais elle est superbe. Chouette, un vrai quart d'heure. Mais ce qu'elle est belle, mais... Mais tu es fou, ça a dû te coûter une fortune. Oh. Qu'est-ce que tu avais à me dire, toi? Non, commence, toi. Non, toi. Non, allez, vas-y, toi. Bon, alors devine. Cherche, fais un effort. C'est dingue, j'ai oublié de prendre ma pilule une fois le mois dernier, et puis voilà. Tu veux pas qu'on le garde? Si, ben non, écoute, là, attends, je suis tellement surpris. Et toi, qu'est-ce que tu avais à me dire? C'est si difficile que ça? Ben, tu sais... Mais c'est pas difficile à comprendre. Hein? Il faudrait que je sois idiote. Avec une bague comme ça, c'est pas difficile à deviner. Mais qu'est-ce que t'as compris? Ça serait pas une bague de fiançailles, par hasard? Ça serait pas une demande en mariage, monsieur? Et tu lui as dit oui? Ah oui. Non mais c'est dingue. Tu lui achètes un cadeau de rupture et ça devient une bague de fiançailles. Ouais, je sais, qu'est-ce que tu veux, mais je suis lâche avec les femmes, moi. Et elle avait l'air tellement heureuse pendant toute cette soirée. Et puis au fond, je suis bien avec Béa. Elle est douce, tendre, on s'engueule jamais. S'il n'y avait pas eu Cécile. Et avec Cécile, qu'est-ce que tu vas faire? Ah ben, je vais rompre. Tu sais, Cécile, elle a sa vie, elle est mariée. Pour elle, c'est moins grave. Seulement, il faut que je sois honnête avec elle aussi, quoi. C'est un sacré numéro, toi. Je te dis, je suis incapable de faire de la peine à une femme qui m'aime. Tiens. Non. C'est l'autre moitié de mes économies. Je me suis disputée avec Roland et... Comme je savais que t'allais parler à Béatrice. Quoi? Dis-moi. Je vais te raconter pour nous. Il est devenu fou furieux, il m'a frappé. Il a rameuté tout le quartier. Et il m'a jeté à la rue. Comme une putain. Bon Dieu. Bon, calme-toi, ne pleure pas. Non, mais je pleure, mais tu sais... En réalité, je suis tellement heureuse. Nous sommes libres. Tu comprends? Libres. On va pouvoir s'aimer au grand jour. Oh, je t'aime. Je t'aime. Et nous, mon amour. Oh. Dis, on va fêter ça, hein? On va fêter ça, je t'invite au restaurant ce soir. J'ai retenu une table trou normand.
Chérie, cette table, ça ne te rappelle rien? Si, c'est la table où nous avons dîné la première fois que nous sommes sortis ensemble. Je t'en ai souvenu. Tu es... merveilleux, je sais. Deux champagnes framboises pour commencer. Je reviens tout de suite. Non, vas-y, vais. Tu sais pas ce que j'allais faire? Tu vas demander au disjockey de passer le morceau sur lequel nous avons dansé pour la première fois ensemble. Comment tu as deviné? Une sorte de sixième sens. Chérie, tu es... je suis merveilleux. Cécile, il faut que je te dise quelque chose. Ah, c'est drôle. Moi aussi. Tu es enceinte et tu veux garder l'enfant? Mais tu devines tout. Une sorte de sixième sens. Tu sais, je suis sûre qu'il est toi. Ça fait au moins 6 mois qu'on ne m'a pas touchée. Ah, c'est un cadeau, c'est pour moi? Et tu lui as dit que tu allais l'épouser? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle avait l'air tellement heureuse. Mais tu me vois l'annoncer que je la quittais le lendemain du jour où elle a brisé son ménage à cause de moi. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais parler à Béatrice. Je peux tout de même pas les épouser toutes les deux. Si, si, je vais lui parler. Pico! Devine qui est là. Je sais pas. Maman. Voilà. Je peux vous embrasser? Bien sûr, madame. On aura plus moins maman, ça me ferait tellement plaisir. D'accord, maman. Oh, maman, écoute, il ne faut pas pleurer. C'est de bonheur. Je suis tellement heureuse. Je suis tellement heureuse. Maman a fait le dîner en ton honneur. Vous savez, le père de Béatrice m'a abandonnée juste avant sa naissance. Je ne sais pas. J'ai toujours eu peur qu'il arrive la même chose à ma petite fille. Qu'est-ce que tu racontes, maman? Viens, assieds-toi. C'est tellement dur pour une femme seule d'élever un enfant. Alors, asseyez-vous près de moi, ma fille. Vous savez, ma Béatrice, elle a l'air forte comme ça, mais dans le fond, elle est tellement fragile, tellement sensible. Il vous aime tellement. Dans sa lettre, elle parle que de vous. Oh, tais-toi, maman. Mais maintenant, je suis tranquillisée, je suis heureuse. Je suis sûre que vous êtes un brave garçon. Je le sens. Vous savez, les femmes ont un sixième sens pour ça. Allez, courage. Faut que tu lui parles absolument. Bonjour chérie. Bonjour toi. Mais où vas-tu? On va pas à la maison? C'est une surprise. On va s'embrasser. Cécile nous a tellement parlé de vous. C'est comme si vous étiez déjà de la famille. Ravi de vous connaître. Moi aussi. Françoise, Chantal et Marino. Bonsoir. 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 Bon, les femmes, allez vous occuper du dîner. Alain et moi, il faut que nous parlions un peu entre hommes. Nous allons prendre l'apéritif. Entrez. Qu'est-ce que je vous offre? Je prendrai un peu de martini, s'il vous plaît. J'en prendrai un peu moi aussi. D'habitude, je ne bois pas, mais ce soir, c'est spécial. Merci. Alain, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Vous savez, j'ai fait toute ma carrière dans la cavalerie, et dans la cavalerie, nous sommes directs. Lorsque Cécile nous a appris qu'elle divorçait pour vous épouser, ça ne nous a pas plu, c'est le moins que je puisse dire. Nous sommes une famille de catholiques, et chez nous, jusqu'ici, le divorce, ça ne se faisait pas. Bien sûr, je comprends. Nous en avons longuement discuté, ma femme et moi, et finalement, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait vivre avec son temps. Et puis, Cécile a l'air tellement heureux. Ma fille vous aime, mon garçon, d'un amour franc
et sincère. Je l'aime aussi, monsieur. Appelez-moi Georges. Oui, Georges. Dès que je vous ai vu, j'ai su que vous étiez un gars bien. Un gars franc du collier. Vous savez, dans l'armée, on a un sixième sens pour ces choses-là. Ah bon? Tu n'as pas encore parlé à Cécile? Si tu crois que c'est facile, ses parents ont voyé plus de 500 faire part. Le mariage est prévu dans 3 semaines. Tu me vois arrivant pour dire au colonel que j'épouse pas sa fille? Il faut quand même que tu le fasses, plus t'attends, plus c'est dégueulasse. Mais je vais le faire, je vais le faire. Alors dès que je rentre de voyage de noces avec Béatrice, je parle à Cécile. Elle est belle, hein? Maman Dieu, quelle mine tu as, Pipou, tu es tout vert? Ah non, mais ça c'est rien, c'est la panique du nouveau marié, c'est classique. Allez, dépêchons-nous, parce qu'on va être en retard. Hein. Attention, ne bougez plus. Madame, s'il vous plaît. Merci. Les mariés, regardez-vous. Attention, ne bougeons plus. Madame, s'il vous plaît, merci. Les mariés, regardez-vous. Voilà. Moi, je suis tombé pour vol de bagnole, échec sans provision, et toi? Ouais, c'est parce que je suis incapable de faire de la peine à une femme qui m'aime. Ah ouais? Au fond, chérie, c'est quoi la différence entre l'érotisme et la pornographie? Oh, c'est très simple. Je vais te montrer, tu vas voir. Tu vois ce que je te fais, là? Oui. Eh bien, c'est beau. C'est raffiné. C'est poétique. C'est érotique. Ah bon? Et là maintenant, ça devient laid, grotesque, bestial. C'est pornographique. Tu sens la différence? Chérie, tu sens la différence? Chérie. Oui, 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 oui. Oui. Vous avez le Figaro? Il ne nous en reste plus, je n'ai plus que l'humanité. L'humanité? Qui distribue l'humanité dans les avions maintenant? Pourquoi? Parce que si je crois? Parce que c'est pas un journal, monsieur. Une feuille de propagande. Il se trouve que j'écris dans l'humanité. Je ne suis donc pas journaliste, j'ai pas ma carte de presse, non. Et vous allez à Moscou en reportage, camarade? Non, je vais voir mon cousin Germain. Il vient à Moscou? Il y est même né. Mais je ne le connais pas, j'ai jamais vu encore. Ici le commandant de bord. Voici quelques renseignements concernant votre vol. Nous volons actuellement à une altitude de 9000 mètres. Et où est-ce qu'on va là, Victor? On passe déposer bagages à l'hôtel et après, on ne se quitte plus. Ah, je suis content de te voir, tu sais. Allô? Allô? Vous avez barbe maintenant? C'est pas moi, c'est lui. Mais qui est Victor Manoukian? Nous sommes tous les deux Victor Manoukian. Comment ça? Nous sommes cousins germains. Mon père est né en Russie, mais immigré en France dans les années 20. Moi, je suis français, lui russe. Ah bon? On se ressemble, hein? Chambre 215. We'll be right back.
chambre. Ah, si ton père et le mien avaient pu nous voir réunis, comme ils auraient été heureux. Papa, tu sais, de ne pas savoir ce que son frère était devenu, ça l'a rongé jusqu'à sa mort, je te jure. Ah, c'est parler du passé. Douchka, Douchka, où est le vodka? On va boire et faire la fête pour ton dernier jour. Hein? Non, non, je crois que j'ai assez bu dans ta vodka, vraiment. La vodka est faite pour le russe fait pour vodka. Tchoup, tchoup, tchoup. Non. Allez, buvons à nos retrouvailles. La vie a séparé les frères, mais elle a réuni les cousins. Nazdarov. Victor. Bougez pas, repose-toi encore un peu. Oh, je sais pas ce qui m'est arrivé. D'habitude, je tiens à l'alcool, mais non. T'en voudrais peut-être mieux que je m'asseye. Oh. Oh, qu'est-ce que je tiens, je suis désolé. Ce sont des choses qui arrivent. Mais ma russe. Oh là là, il est tard, il faut que je rentre à l'hôtel parce que j'ai mon avion demain matin à 8h. Mais passe la nuit ici, Victor t'accompagnera demain matin. Mais oui, on passe demain à prendre ta valise à l'hôtel et puis on file à l'aéroport. Oui, ouais, peut-être mieux. Ça tourne, la vache. Allez, allonge-toi. Ça va passer. Mariana, merci. Ça avait été formidable, tous les deux. Je n'oublierai jamais ces 3 jours qu'on a passés ensemble. Allez, dors maintenant. À demain. Je suis français. Français, je suis pas russe. Что? Не понимаю, что ты говоришь. C'est une histoire de fou, il y a bien quelqu'un qui parle français ici. Je suis français, vous comprenez? Français, français. Français, vous comprenez ça? Do you speak English? Non, bien sûr. Prévenez votre chef, vous commettez une grave erreur. Ah, хорошо, курточка в тебе. Я хочу такую. Продай мне. Non, je parle pas russe. Je suis pas russe, je suis français, vous comprenez ça? Французиш. Я хочу такую курточку. Продай. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Il veut vous acheter votre blouson. Mon blouson? Vous parlez français? Enfin, quelqu'un qui parle français. Дай мне твою курточку. Vous lui dites que je vends pas mon blouson. Он не продает. Voilà. Ты богат. Тебе нужна моя протекция. Qu'est-ce qu'il a là? Non, il pense que vous êtes riche et important à cause de vos vêtements. Alors il vous offre sa protection contre votre blouson. C'est des jeans, ça vaut rien en France. Bon, vous le dites que j'ai pas besoin de sa protection. On n'y хочет. Нет. On n'y хочет. Ты мерзавец. Non, mais arrêtez. Наговорил его, чтоб не продавать курточку. Старый дурак. Ça va? Иди к черту. Il croit que c'est moi qui vous ai conseillé de ne pas lui donner votre blouson. Qui c'est que c'est brut? Ah, c'est un droit commun, voyou, quoi. On les mélange exprès avec les politiques. Ils sont pires que les gardiens. C'est eux qui font la loi, ici. Et en plus, le KGB les utilise comme mouchards, alors. Méfiez-vous de lui. J'ai rien à cacher. Je suis là à la suite d'un incroyable malentendu, c'est tout. Écoutez, jeune homme, moins vous parlerez ici, mieux ça vaudra pour vous. Enfin, ça y est. Ils ont mis le temps. Je vais certainement être libéré.
Je peux faire quelque chose pour vous? Ah non, ça va bien, merci. Adieu. Adieu. Садитесь. Вы все притворяетесь, что вы не говорите по-русски. Мы этому не верим. Écoutez, depuis que je suis arrivé ici, je n'arrête pas de répéter que je ne parle pas russe. Oui, je ne parle pas russe, alors il faut me trouver un interprète. Перестань нас обманывать. Мы отлично знаем, что ты не француз, non, а советский гражданин. Je ne parle pas russe. Je ne parle pas russe. Pas russe. Довольно нам очки втирать. Je suis français. Не проведешь. Français. Мы тебя français. Крутим. Alors, Viktor Dmitrievich, il paraît que vous refusez de vous exprimer en russe. Ah ben, on va enfin pouvoir s'expliquer. Non, vous commettez une première erreur, camarade. Je ne suis pas Viktor Dmitrievich Malounian, je suis Viktor Alexandrovich Malounian. Tiens, comme c'est intéressant. Pouvez-vous m'expliquer cela, camarade? Mais je ne demande que ça. Viktor Dmitrievich Malounian est mon cousin, le fils de mon oncle Dimitri, qui est resté en Union soviétique, tandis que mon père, Alexandre, lui, a émigré en France en 1927. On nous a donné à mon cousin et à moi le même prénom que notre grand-père, Viktor Malounian, que ses deux fils adoraient. Je ne sais pas si je suis très clair. Très clair. Ce qui fait que je m'appelle Viktor Malounian, mais je suis né à Paris, de nationalité française, et tout ceci d'un regrettable malentendu. Et bien sûr, vous avez vos papiers, votre passeport, etc. Oui, non, justement, je les avais sur moi hier soir, mais quand je suis arrivé ici ce matin, je me suis aperçu que je les avais plus. Je ne sais pas où ils sont passés, mais enfin, il est très facile de vérifier auprès de mon consulat. Bien sûr, Viktor Dmitrievich, bien sûr. Non, Viktor Alexandrovitch, camarade, Alexandrovitch. J'ajoute que, quoique fils d'émigré, je suis membre du Parti communiste français. Je signe d'ailleurs la rubrique gastronomique de l'Humanité Dimanche et je serai donc très discret sur ce petit incident, camarade. Nous aurons l'occasion de revenir sur vos opinions politiques, Viktor Dmitrievich. Ceci n'est qu'un premier contact. Nous avons tout le temps de faire plus ample connaissance. Comment ça, tout le temps? Vous plaisantez? Il faut que j'entre immédiatement à Paris. Je vous somme de me libérer. Vous entendez? Une histoire de fou. Manifestement, ils m'ont arrêté à la place de mon cousin. Fou, toi. Ah, il est beau, le KGB, tiens. Ça me rappelle un compagnon de cellule sous Staline. Un bandit de grand chemin, un assassin, un voleur. Le NKVD l'avait confondu avec un héros de la Révolution, un ancien de Potemkin. Ouais, bah lui, il n'avait pas à s'en plaindre. Sous Staline? Quand il l'a emmené pour l'exécuter, il criait « Ben, je suis innocent, je suis un assassin, je suis un voleur, je ne suis pas un héros de la Révolution, moi. C'est injuste, je suis innocent, j'ai même pas été inscrit au parti. » Très drôle. Eh bien, camarade, ce que vous aviez dit est exact. Un certain Viktor Malounian, de nationalité française, est arrivé à Moscou le 22. Enfin, le cauchemar se termine. Il est descendu à l'hôtel international, où il est resté 3 jours. Exact. Et il a quitté Moscou le 25 à 8h45 par le vol 904 de l'Aéroflot. C'est impossible. Le 25, j'étais ici. C'est invraisemblable, il doit y avoir une explication. Je ne vous le fais pas dire, Viktor Dmitrievich. Alexandrovitch! Bon, cessons cette comédie. Vous me prenez pour mon cousin, c'est ça, hein? C'est ça. Bien, alors il y a un moyen très simple. Vous n'avez qu'à me confronter à des gens qui connaissent mon cousin, et vous verrez. Ah! Vous avez tué Mariano Malounian? On aurait pu commencer par là. Viktor, gdzie ty był? Mariana. Dlaczego ty abstrykt twoim barodu? В чем дело? Хлеба усыпили. Они его усыпили. Не понимаю. Виктор, я люблю тебя. Виктор! Виктор! Votre épouse nous accuse de vous avoir drogué. Elle trouve que vous avez un comportement anormal. Je viens fou. Je ne comprends pas très bien votre système de défense. Vous auriez pu au moins le mettre au point avec votre femme. Vous n'espériez tout de même pas nous convaincre. Vous cherchez quoi, Viktor Dmitrievich? À gagner du temps? Mon cousin a dû foutre de la drogue dans ma vodka. Il m'a piqué mes papiers. Et comme on se ressemble d'une manière étonnante, il n'a eu aucun mal à prendre ma place dans l'avion de Paris. Il s'est coupé la barbe, et puis voilà.
Et sa femme était dans le coup, c'est évident. Elle a tout intérêt à ce que vous soyez Viktor Dmitrievitch, car sinon elle risque de payer pour lui. Cherchez à me faire peur, hein. Enfin, voyons, je suis pas seul. J'ai ma femme, j'ai mes amis, j'ai mes camarades du parti. Ils vont s'inquiéter de ma disparition. Ils vont demander des explications au gouvernement soviétique. Non ? Mais je suis des vôtres, camarades. Mon essai pour une cuisine authentiquement prolétarienne témoigne de mon orthodoxie. Bon, je comprends que les attaques de l'impérialisme vous obligent à une extrême vigilance. Je comprends. Qui est armé au collin ? Qui ? Au courant de quoi ? Au collin de la mort de ton cousin ! La mort de qui ? C'est la mort de votre cousin qui vous a donné l'idée folle de vous faire passer pour lui. Vous nous prenez vraiment pour des enfants. Bon. Si nous examinions les charges retenues contre vous, Viktor Dmitrievitch. Les charges? Ah, mais je comprends. Ah, je comprends. Mon cousin a disparu. Il suffit de m'escamoter, fuite, pour supprimer toute trace de votre bévue. Mais je ne me laisserai pas faire, hein. Je me laisserai pas faire! Vous êtes faux! Calmez-vous! Je veux mon consul! Je veux mon consul! Ouvrez cette porte! Ouvrez cette porte! Acceptez d'être votre cousin, camarade. Qu'est-ce que vous risquez? Quelques années de camp. Vous êtes jeune. Je suis français, vous entendez? Je suis français! J'habite dans le 15e arrondissement! Je suis inscrit à la sécurité sociale! Je suis français! Nom de Dieu! Français, c'est jeune! Français! Alors on t'en va en delà! Français! Ouvrez-moi! Vive la France! Ouvrez la France! Je suis Viktor Dmitrievitch! Je suis Viktor Dmitrievitch! Non, non, Viktor Alexandrovitch! Je suis Viktor Melunion! Je suis moi! Je suis moi! Calmez-vous, camarade, calmez-vous! Je suis parfaitement calme! Le docteur Kartoff va vous examiner. Le docteur Kartoff est un éminent psychiatre. Quoi ? Cité de Gorky. Ah, voilà la solution que vous avez imaginée. Mais scaboter dans un de vos asiles psychiatriques, je ne le ferai pas faire. Salut, camarade, ne soyez pas... Salut ! Sistra, à quoi ? Et puis Gato, tu peux pas faire ça. Ну, поверните мне этого красавица на животе. И снимите, пожалуйста, ему брюки. Я хочу увидеть его задницу. Это очень интересный случай расстроения личности. Он видит себя как французского журналиста и дает верные детали жизни во Франции. И никогда не был там. Конечно. À l'aéroport de Moscou, cher Remetevo, nous vous prions de ne pas quitter vos places avant l'arrêt complet de l'appareil. Charles-Henri. Et merci, c'était très sympa cette soirée. Vous m'offrez un dernier verre chez vous? Ah, nous y voilà. Comment ça, nous y voilà? Et je suppose que le moment est venu de passer à la casserole, c'est ça? Oh. Oh non, vraiment, Hélène, vous êtes bien injuste, parce que nous sortons ensemble depuis 3 semaines et... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, 3 semaines de restaurant, de théâtre, de concert, mais quel investissement, je suis flattée.
Madame, je vous en prie, ne parlez pas comme ça, c'est affreux. Non, excusez-moi, Charles-Henri, mais cette situation aussi stéréotypée, j'aurais tellement voulu que ça se passe différemment entre nous, vous comprenez? Je comprends. Vous êtes merveilleux, chérie. Ouais, écoutez, je vais prendre un verre chez vous, puis je vous jure que je ne vous toucherai pas. J'attendrai que... Avez-vous songé au nombre de fois qu'un homme a dit ça à une femme? Oh là là, ça s'annonce mal. Chérie, la recherche à tout prix de l'originalité, ça peut devenir affreusement banal aussi. Bon, mais si j'accepte, vous me promettez que vous serez sage. Enfin, Hélène, vous me prenez pour qui, voyons? Non, Bromavitz n'était pas au mieux de sa forme dans la sonate en ré mineur, hein, vous ne trouvez pas? Ah ben, ça va pas être de la tarte. Merde, un Klebs. Alors, moi qui ai horreur de Klebs, alors rien ne me sera épargné. Oh oui, qu'il est déjà petit, c'est mon gros bouclier, ça. Oh, le bébé du Félix. Oh, le bébé du Félix. Alors ça, c'est Félix. Félix, je te présente Charles-Henri. Vous aimez les animaux, chérie? Ah, bah j'adore. Ouais. Salut, Félix. Ça va, mon vieux? J'ai l'impression qu'il vous a adopté, non? Bah oui, ça, je crois qu'on va faire une sacrée paire de vieux copains, hein, Félix? Allez. Moi, je ne pourrais jamais aimer un homme qui n'aime pas les animaux. Non, mais ça, de toute façon, c'est connu, hein. Quelqu'un qui n'aime pas les bêtes n'aime pas les humains non plus, hein. Asseyez-vous. Je vous sers un whisky? Avec plaisir. Vous savez que j'ai même rompu avec un garçon à cause de Félix? Ah non! Mais oui, je l'ai surpris en train de le frapper, le pauvre amour! Le frapper? Vraiment? Alors là. Prenez de la glace avec le whisky? Je veux bien, oui. Félix, veux-tu arrêter? Bon, il faut que je me marie. Mais non, laissez-le, ça ne me dérange pas. Félix, maintenant ça suffit, arrête! Mais tu veux être gentil maintenant, vilain garçon? Hein? Hein, tu veux être gentil? Mais tu veux être très gentil maintenant. Fais-moi baisser, fais-moi baisser à maman. On sent que vous aimez vraiment les bêtes. Vous êtes trempé, chérie. Non, mais vous savez, la salive de chien, c'est pas sale. Au contraire, il paraît que c'est très sain, ça contient même des antibiotiques, alors. Non, non, je vous en prie. Mais Hélène, laissez-moi au moins vous embrasser, au moins ça, non? Non, Charles, vous aviez promis. Oui, mais j'ai présumé de mes forces, mon amour. Non, mais comprenez-moi, chérie, je veux être sûre de mes sentiments et des vôtres. J'ai trop souffert, je ne veux plus d'aventure sans lendemain. Mais je suis sûre de moi, chérie, mais je vous aime, Hélène. Je vous aime, mon amour. Oh, regardez comme elle vous écoute. Moi, je jurerais qu'il comprend, vous ne trouvez pas? Hein? Ah oui, ça il est formidable, ce Klebs. Non, je veux dire, ce chien. Mais il n'a pas une babale ou quelque chose pour jouer et... Tiens, peut-être des choses pour lui, hein? Hop. Hélène, je suis fou de toi, mon amour. Non, il faut pas. Si. Non, mon amour, vous aviez promis. Mais comment ça s'enlève, ce truc? Tu tires vraiment cette zip? Un zip. Ah, pourquoi Charles-Henri? Parce que... Oh, okay. Très bien, chérie. Oh, non, qu'est-ce que... J'ai gagné, j'en ai pour une minute, je reviens. Mais, mon amour, qu'est-ce que c'est? Je ne serai pas longue. Félix, tu arrêtes d'embêter Charles-Henri. Non, mais laisse-le, il vaut mieux le voir comme ça qu'en mauvaise santé, hein. Ah non! C'est le vrai pété, ce Klebs, ça, hein? Rends-moi ça! Bon, allons dans ta chambre, hein? Mieux le laisser entrer, sinon il va pleurnicher et nous embêter jusqu'à ce que je lui ouvre. Oh. Il va nous embêter, lui. Tu crois? Moi, le petit chat, sa maman. J'attends ce moment depuis si longtemps, si tu savais. Hélène, tu peux pas savoir ce que je ressens.
Mais qu'est-ce qui nous arrive, mon Dieu, mais qu'est-ce qui nous arrive? Sacré Félix, canaillou. Je te veux, je te veux. Oh, je suis à toi, tout à toi. Tout à toi. Oh, Félix. Oh, mon Dieu, je vais donner un coup de pied sans le faire exprès, là. Oh, pauvre minou. Viens voir maman, viens. Oh, mais c'était très malheureux, ça. Ah, mais chère Laurie ne l'a pas fait exprès, chérie. Bah, bien sûr, désolé, mon vieux Félix, hein. Sans rancune. Voilà. Oh, le pauvre. Ah, ouais, pauvre. À toi, à toi. Ah, mais enfin. Oh, le minou. Ah oui, voilà. Allez. Oh, ah. Oh le minou à maman. Voilà. Voilà. Allez, ah. Je sais pas ce que j'ai là, je comprends pas. C'est pas grave, ça, des choses qui arrivent. Oui, mais je me demande si c'est pas la présence de ton chien. C'est pas la peine de te chercher des excuses, tu sais. Je te cherche pas d'excuses, mais je suis fou de toi là. Écoute, on va pas en faire un drame, je t'en prie. J'en fais pas un drame, je t'explique que c'est ton chien qui... D'accord, c'est Félix. Si ça peut soulager ton amour propre viril. Ah non, alors toi ça suffit maintenant. Ah non. Alors ça, je te défends. Ah, ça m'a détendu, tiens, voilà. Oh, quel brut celui-là! Pas la peine de te venger de tes fiascos sur un pauvre animal sans défense! Quoi, t'es un pauvre animal sans défense, ça? C'est d'être pervers et hypocrite, là, qui arrête pas de chercher à me sodomiser depuis une heure! Oui, bah ça prouve qu'il est viril, lui, au moins! Ah non, alors là, non! Alors là, ça, vraiment, c'est trop! Charles-Henri? Charles-Henri, mais c'est ridicule! Oh, merde! Chérie, excuse-moi, je suis désolée. Non, mais je reconnais, j'étais odieuse. Je te demande pardon. Ah non, enlève-moi ce chien de là. Oui, calme-toi. Charles-Henri, c'est trop grotesque, ça ne peut pas se terminer comme ça. Hein, dis, c'est pas fini entre nous. Écoute, je sais pas, là, je suis pas dans mon état normal, là, je sais pas. Ah, non. Non, mais vraiment, hein, l'un de nous deux est trop ici. C'est la dernière fois que tu me fais ce coup-là, t'entends? Oh, c'est pas la peine de faire cette tête-là, hein? Alors moi, j'en ai assez! Assez! Félix? Félix! Oh, dis, tu vas bouger longtemps comme ça? Allez, viens te coucher! Vilain garçon. Aucun danger. Le commandant de bord, monsieur Roland Dubois,
fais tout le nécessaire pour que tout se passe normalement. Oh,